things that was in really? Flags. Huh? The driver. Oscar go, and then when Lewis goes, we'll go around at the top of the thing. 2 minutes. Okay. Is it? So six or eight? Six or eight. What am I doing? If one of these gone? Sorry? Troisième, Lance Armstrong, 20 minutes 12 secondes. Quatrième, Gustav Larsson, 20 minutes 14 secondes. Cinquième, David Millar, 20 minutes 20 secondes. Sixième, Jérôme Coppel, 20 minutes 24 secondes. Septième, Courtatieu. Paris, on lui souhaite en tous les cas, Yuvia Arachivon pour le compte. Belle information, Bigox, Bouygues Télécom, alors qu'actuellement, eh bien, c'est l'entrée, eh bien, c'est déjà le 107e coureur à s'élancer. Ils sont 180 au départ. Première participation au Tour de France. Voilà, Sébastien Winard, donc première participation au Tour de France pour ce coureur qui a déjà participé et terminé trois Tours d'Espagne. On va le découvrir donc sur la route du Tour. Il a brillé cette année sur les 4 jours de Dunkerque où il était deuxième d'étape. On l'a vu également se distinguer au Tour du Finistère qui est terminé à la 4e place. Pouvoir donc extrêmement régulier. On s'y fera également sa 5e place sur les routes de l'étoile de Bessèges. Lauréat d'étape au Tour de l'Avenir, c'était en 2005. Ancien donc cyclocrossman de talent, il avait achevé à la 4e place un championnat du monde espoir. Sébastien Villard pour la formation Cofidis. Oscar Pereiro qui avait chuté lourdement. Allez, dernière, on l'avait retrouvé de virage plus bas. Et il revient donc dans ce Tour de France alors que Sébastien Minard, dont nous parlions tout à l'heure, termine en 21 minutes.